Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une présentation de miniatures Majorettes, c'est mon dernier achat. C'est un petit coffret. Et ce petit coffret, eh bien, c'est celui-ci. Alors, je vous en ai déjà fait voir 5 il n'y a pas très longtemps. Ce sont les mêmes, dans une livrée différente, hein, tout simplement. Ce petit coffret, il date de 2017. Et ce sont donc, vous l'aurez vu, hein, les modèles Vision sous licence Gran Turismo. Alors, ces modèles, ils les ont fait en coffret, ils les ont fait en blister à l'unité, et ils les ont fait également en petit set, 3 véhicules comme ceci. Alors ici, nous avons donc l'Infinity, on a la Mitsubishi, et on a, c'est la Nissan. Donc on va de suite les regarder une par une. Je vous ferai bien entendu le petit duo tournant avec. Je pense qu'il est 2017 ce petit coffret, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et la première, alors ce sont des miniatures déjà vues, moi je les avais pas. La première, elle est même datée de novembre 2016. Et c'est l'Infinity Concept Vision Gran Turismo. Donc là voici en jaune, toute jaune, avec des jantes noires, donc moi j'adore quand ce sont des couleurs comme ça claires, hein, des jantes foncées, ça le fait. Donc l'avant, ce sont des miniatures, donc bien sûr ce sont des concepts, donc des véhicules qui n'ont jamais été lancés en série. Très racé, très affiné, hein, très élancé. Voilà, elles sont jolies, elles sont jolies. J'ai longtemps rebuter cette gamme, et je vous l'ai dit, hein, lors de la présentation des toutes premières, hein, c'est en jouant à Gran Turismo que j'ai fini par me convaincre. L'arrière, le dessus, voilà, et puis le dessous, bah, c'est tout noir, le châssis très lisse par contre. Voilà pour le premier modèle de ce petit coffret, l'Infinity Concept. Allez, ensuite, je vais vous montrer la Nissan. Alors, c'est pareil, elle est de novembre 2016. Nissan Concept 2020. La voici, toute bleue, avec des jantes noires. Là encore, je ne crains pas du tout. Alors l'avant, c'est spécial, mais bon, c'est Majo et c'est bien fait. Toujours des formes très élancées, très aérodynamiques, très près du sol, pour qu'il y ait le moins de prise d'air possible. Le dessus, et puis donc le châssis encore tout lisse. Il n'y a vraiment aucun relief sous ce châssis. Voilà pour le numéro 2 de ce petit coffret. Et enfin la dernière, bah, celle que je trouve un peu, je vous l'ai déjà dit, celle qui se rapprochera encore plus de par sa forme d'un véhicule, si vous voulez, de série, c'est la Mitsubishi XR FEV Vision Gran Turismo. Alors je dis FEV parce que c'est PHEV. Et là, elle est super jolie. Je la trouve vraiment belle dans ses couleurs de blanche, rouge et noir. Alors elle a bien entendu les jantes noires. Elles les ont toutes, hein, certainement. J'ai jamais fait vraiment attention. Et l'avant, regardez, là, il est superbe l'avant. Hein. Très agressif, très félin. Le dessus, donc le toit, pardon, est noir, donc les vitres
ouvrages sont bah noirs, hein, teintés noirs. Pas du tout. Je vous dis une connerie, les vitrages sont bien transparents. C'est simplement qu'en regardant comme ça, voilà, ça laisse apparaître le tableau de bord qui est noir à l'intérieur. Voilà. Et là, une fois n'est pas coutume, le châssis est rouge, dites-moi. Il est rouge, mais il est toujours très lisse. Voilà pour cette Mitsubishi. Et voilà les amis, écoutez, fin de cette petite vidéo. Voilà, donc, toujours pas de modèle 2020. Bon, la situation fait que c'est très compliqué hein, de trouver quoi que ce soit de toute façon, puisque vous ne pouvez pas aller dans le magasin à juste titre. Là je vous dis ça parce qu'on est le 25 mars aujourd'hui, donc vous allez voir la vidéo fin avril, mais au jour d'aujourd'hui, le 25 mars, je ne sors pas, hein, je suis les consignes, mes enfants ne sortent pas, je n'ai pas passé le portail de chez moi depuis 15 jours maintenant, puisque je m'étais confiné de moi-même un jour ou deux avant l'annonce officielle de Macron, et voilà. Et mon épouse malheureusement qui est obligée de partir pour aller travailler parce qu'elle n'a pas le choix elle. Et sinon nous on reste bien cloîtrés parce qu'avec cette merde il faut vraiment faire attention. Et c'est vraiment pas de la rigolade quoi. C'est, voilà. Bon, donc vous l'aurez compris, c'est compliqué de trouver autre chose. J'ai encore un petit peu de stock d'avance, hein, que j'avais acquis bien avant tout ça. Donc je vais vous le présenter petit à petit. Mais si ça dure, quoi, c'est clair que ça va être compliqué après de vous présenter du 2020, dans l'immédiat en tout cas. Mais ça fait rien, on trouvera autre chose. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Faites attention à vous, soyez prudents. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !